qui débute tout à l'heure en Slovénie. Pour les Français, ça commence avec un match contre l'Allemagne. Tony Parker et ses petits camarades qui visent une médaille, mais surtout, plus qu'une consécration, un premier grand titre international. Caroline Bauer, Nicolas Jamin. Tony Parker, Nicolas Batum ou encore Boris Diaw, ils sont tous là pour remporter enfin un titre majeur avec l'équipe de France. Cette année, plus que jamais, les Bleus ont un coup à jouer car leur statut a changé. Favori. On va prouver à tout le monde que là, cette année, c'est notre année. On veut cette médaille d'or et on va tout faire pour la prendre. C'est sûr que c'est une bonne année en tout cas. On a une bonne opportunité de faire quelque chose de bien. Donc on va essayer de tout faire pour saisir notre chance dès maintenant. L'équipe de France veut surtout profiter de l'absence de nombreux joueurs NBA chez ses concurrents, comme l'Espagne, tenante du titre, privée de ses deux stars, Gasol et Navarro. Mais attention à ne pas griller les étapes et pour ça, Tony Parker reste attentif. C'est pas la dernière chance, mais après il faut pas. C'est une bonne opportunité, donc on essaiera de faire de notre mieux. Vice-championne d'Europe en 2011 et quart de finaliste aux JO de Londres l'an dernier, l'équipe de France a encore faim. Après 7 victoires et 3 défaites en match de préparation, les basketteurs tricolores ont toutes les armes en main pour remporter un premier titre européen.